Oh merde. Très bien, la suite de l'épisode. Je vais mourir. Précédent, c'est logique, de toute manière. Casse-toi. Suite de l'épisode. Non, je descendrai pas, Mich. Voilà, suite de l'épisode précédent. Ouais, voilà, c'est logique. Avec Ellie à cheval, on était en train de soigner George, alias Joël, le survivant. Casse-toi. Par contre, je sais pas si je vais continuer comme ça pendant 20 ans. Alors, là, on essaie de fuir aux hommes de l'autre étranger qui nous a retrouvés grâce aux traces de les pas de mon cheval. C'était une très bonne idée d'ailleurs, hein. Je l'avais dit, hein, j'avais prévu. Oh non. Oh non, la dernière fois que ça m'est arrivé, ça m'avait fait chialer. Oh merde. C'était dans Red Dead Redemption. Merde. Oh non. Là-bas, près du cheval. Oh non. J'avais déjà un attachement à ce cheval. Je l'avais appelé Ricardo. Oh putain, non, c'est chiant ça par contre. Hein. On va faire comment pour porter les affaires maintenant? Bon, voilà, on a perdu Ricardo. Ricardo est décédé sous les coups de feu de ses fils de pute. Voilà, on est tout seul. On a perdu tout le monde. On perd tout le monde en fait. On perd Joël, on perd. On va finir seul là. David, il l'a voulu. Attends. Ok, voilà. Je me gèle les couilles. Bon, attends, Germain. Je vais regarder là. Non, venez pas. Ne venez pas! Oh merde! Hop, headshot! Headshot! Ah non, thorax shot. Quoi? Tu veux quoi toi? Reviens là! Reviens! Où est-ce qu'il est là? Mais. Oh! Quoi? J'avais pas vu ma vie! Je veux juste en finir et rentrer. Je me gèle les couilles. Tu me vois pas. Ah merde! Hop là! Tu vois, ta gueule! T'es pas mort toi? T'es pas mort toi, franchement? Oh merde, je vais mourir. Non mais sérieux. Bon bah. Son fusil à pompe. Hop là, voilà. Comme ça. Hop, nice. On va ramasser les armes. Oh non, me tirez pas dessus monsieur, s'il vous plaît. Je suis gentil moi. On me touche pas une dame. On ne frappe pas une dame et on la tue. Pas bien évidemment. Voilà, ça c'est un headshot ça. Pas mal hein. Je suis fort hein. Je suis sûr qu'il fait les arcs dans les jeux. Vraiment. J'étais. Chaque fois quand il y avait un MMORPG, je devais toujours prendre un archer. Ouh. Oula. Oh là là. Ok, je pensais que j'avais un problème de vue. En mode, j'avais l'impression de voir deux fois la même maison. Et je me suis dit, mais je venais d'y aller. Mais non. Alors voilà, c'est totalement. Je suis totalement con. T'inquiète pas. Vous avez pas entendu tous les tirs auparavant. Non. Putain, quand même. Mais il est où le mec? Ok, je le vois. Voilà.
Elle est où la personne qui me voit en fait? On entend que bah, la vision, enfin en gros, bah, le bruit qu'on entend, bah, on me voit. Mais où? Enfin, il est où quoi? Ta gueule! Je suis la petite fille! Nice, hein, j'adore rater les gens comme ça. Oh. Ah ouais, je t'ai touché. La vie de ma mère, je t'ai pas touché. Hop là. Alors, toi. Espèce de... Oh mec, ta gueule. Oh, t'as une de ces tronches. Ah ouais, vas-y, crève. Hein. Par contre, je kiffais vraiment bien ton manteau là. Il est très kiffant. Je l'aime bien beaucoup même. Bon, voilà, on récupère très peu de flèches. Ah oui, effectivement, les flèches là, on en manque. Et cruellement. Sentier de découverte. J'ai pas mis mon chronomètre. J'imagine qu'il va falloir longer ici. Ouais, voilà. C'est tout tourne. Surtout, tombe pas à l'eau. Oui. Ouais, parce que tu tombes à l'eau. Moi, en vrai, je tombe à l'eau, rien à foutre. Et toi? Alors. C'est pas un lac glacé, on est d'accord. C'est pas de la... un lac gelé. Donc pourquoi elle a éclaté? Comme ça. Pourquoi elle a éclaté? La poussée d'Archimède est trop forte, c'est ça? Hein? La poussée d'Archimède. Dédicace au prof de physique. Wow! Marche plus comme ça, tu fais peur! Alors, on continue dans les tuyales. Les tuyales, pardon. Ce truc me barre la route. Bah, c'est pas grave, tu. Mais passe à côté. Enfin, ça me paraît logique. Tu passes à côté. Oh. Bon ben, on pousse ici. On aurait pu passer à côté. Hein. Alors. Ok, putain, mais oh, c'est totalement con. Voilà. C'était pour ça, en fait. Inutile, hein. Sur 40 millions. Voilà. Et pas sur 20, sur 40 millions. C'était n'importe quoi, mais bon. Voilà ouais. Le chemin. Ouais, bah. Tiens bon, Joël. Ils vont peut-être. Mais pourquoi? Mais elle a laissé Joël seul en fait. On va le trouver en fait, c'est pas compliqué. Mais c'est ça en fait. Moi, ils s'en foutent limite, j'ai l'impression. Enfin, plus maintenant. Ouais, bon. Là, ils s'en foutent pas de moi. Elle est ici. On doit s'assurer qu'elle n'est pas ici. Elle est ici. Allez, venez. Ils ont peur de moi, ça. Je suis Bonnie. Non, par contre, là. Ouais, on va éviter de se mentir à soi-même. Je vais mourir. Voilà, donner le temps de penser. Oh, merde, hein. Marre. Voilà, j'ai plus de vie encore une fois. Putain quoi. J'ai plus de vie. Je vais crever. Faut que je trouve des trucs pour me soigner. C'est la merde. Hop. On est parti alors. S'il vous plaît. La poubelle là, elle est très flagrante, non? Bah en effet. Alors. Elle est lourde? Ah. J'espère que l'autre elle est pas lourde. Ok, l'autre elle est quand même. Ah, mais oui. Alors je comprends. Hop là. On passe là. Piégé ici. Ninja. Oh nice, on va peut-être pouvoir se soigner maintenant. Hop, pouvoir se soigner. Bah oui, on peut se soigner. Ah nice. Allez. Mais Joël, on l'a laissé seul, le pauvre. Le pauvre Joël. Non. Par là. Où est la sortie? Ok, je l'ai vu la sortie. On va fouiller parce que j'imagine pardon qu'il doit y avoir des choses un peu sympathiques à trouver. Genre par exemple ça, voilà, on va pouvoir se remettre du soin. Pas du tout, pas encore en tout cas. Là, ah, c'est un petit, on dirait un petit bar sympathique quoi. Alors ça me rappelle Until Dawn, ce genre d'endroit comme ça. Ou un hôtel peut-être ainsi. Elle est de ce côté du chalet. C'est un chalet, ouais, je sais bien. Ouais, c'est un chalet. Ouais. Putain, ils ont que ça dans la bouche, sale enfoiré, espèce de...
Sale enfoiré. Ok, ouais. Nice. J'imagine que ben. Par là, c'est bon. Oh putain, n'importe quoi. N'importe quoi. Par contre, on ne sait pas éviter les coups. Ah, je suis énervé. Ah, je suis énervé. On ne sait pas éviter les coups, s'il vous plaît. Monsieur. Ou ma. Enfin, plutôt madame, évite les coups, merde. Bon sang de bonsoir. Évite tes, ces coups de merde. C'est pas compliqué. Là, hop, headshot, nice. Bordel. L'autre connard là, qui est en courant, il vient d'où? Je dis pas que parce qu'il faut passer. Putain, faut passer par là. Ok, il y avait un qui brillait, c'était. À fond de cool. Moi, je passe par là, Tug Life. Elle est de ce côté du chalet. Connard. Hop. Par ici. Dans ta gueule. Connard. Ouais. Suivant. Au suivant, j'ai dit. Plus personne, c'est bon. Non. Non, non, non. Oh, je meurs petit à petit, quoi. Voilà, allez, crève. Hop, on se soigne, on se fait deux trousses de soins. Hop là. Maintenant, on se fait full life. On se fait full life parce que je sens qu'on va encore crever. Donc je préfère avoir un peu plus de vie, attendre la mort, que avoir la mort instantanée. C'est un meilleur choix. Voilà, fallait s'en douter. Et il fallait s'en douter que ce soit lui. En effet. Tu es en sécurité. Comment ça? T'en fais pas. T'en fais pas. Je sais pas ce qu'il me veut, lui. Alors, déjà d'un, je ne suis pas attaché. Par contre, je suis en prison. Qu'est-ce qui... Putain de merde. Oh. Putain de merde. C'est des cannibales. Comment tu te sens? Super. Tiens. Faut que tu manges. Je sais que t'as faim. T'es resté longtemps dehors. Qu'est-ce que c'est? Tu sers? Avec de la viande humaine en accompagnement? Non. Non, je te le promets, c'est juste du cerf. Espèce de monstre. Ah. Un peu rapide comme jugement. Quand on sait que toi et ton ami vous avez alors, tué... Alors, elle me fait de l'ASMR dans mon oreille gauche. Ils nous ont pas laissé le choix. Et tu crois que nous, on a le choix? C'est ça? Vous tuez pour survivre. Tout comme nous. On doit s'occuper des nôtres, à n'importe quel prix. Et maintenant? Vous allez me découper en petits morceaux aussi? Non... J'aimerais mieux pas. Allez, dis-moi ton nom. Ah, elle le savait pas, je pensais qu'il le savait. Tout ça, c'est des conneries. Au contraire. Mais il est gentil. J'ai été... plutôt honnête avec toi. Maintenant, à ton tour. C'est le seul moyen de convaincre les autres. J'avoue qu'il a été honnête, hein, quand même. Hein. Convaincre de quoi? Et il a pas été vraiment agressif ni méchant. Tu as un cœur. Tu es loyal. Tu es spécial.
ouais. T'es vraiment stupide. Ouais, bon, si j'ai un petit... On peut pas dire que tu m'aides à te sauver la vie. Qu'est-ce que je vais dire aux autres maintenant? Bah, que c'est en coupant de la viande humaine. Quoi? Dites-leur que... Ellie est la petite fille qui... vous a pété votre putain de doigt! Ah oui. Comment t'as dit? Hein? En petits morceaux. À demain matin, Ellie. Si je suis encore là... Est-ce que j'ai trouvé un moyen de m'échapper, moi? Il a la besoin d'aide, je le sens. Ah, elle a besoin d'aide. Ah, il me donne froid. Ah, j'ai froid pour lui. Il est debout. Joël. Oh, mes souhaits, Joël. Tu me fais cet effet-là quand je te vois. Ellie. Ellie. Ellie, il fait quoi, merde? Ellie, la merde. C'est Ellie. Alors cherchez Ellie, mais ce sera dans le prochain épisode. Mais oui, eh oui. Mais oui. Voilà, merci beaucoup à vous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ben il vous aura plu. D'ici là, moi les copains et les copines, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Je ne sais toujours pas quand est-ce que c'est la fin. C'est fou. C'est fou quand tu ne connais pas le jeu, c'est fou. Bref, à très bientôt. Je vous embrasse. C'était Fryce sur YouTube. Ciao, ciao.